Hey, il est 10 h du mat, alors je vais essayer de pas faire trop fort. Mais je vais vous montrer les nouvelles puissances de Mace Windu en GDC. C'est-à-dire que je vais attaquer une team qui d'ordinaire serait bidon, mais qui ne le sera pas. Voilà. Wombar. Wombar, Wombar. Pour l'attaquer, je vais pas y aller de main morte. Je vais choisir ça à ceci près que je vais inverser ça et ça. Voilà qui me paraît judicieux. Donc, il y a un bonus de vie, un bonus de protection, mais un truc de fada. Et voilà, dès qu'on attaque, vous avez vu les expos qu'il y a. Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Alors. Donc, bien sûr, il n'est pas soumis à la confusion, ni même soumis au choc, ni soumis. Et voilà. Dès que ce putain de Mace va pouvoir attaquer, je vais me retrouver dans une merde infâme. Donc mon but est de tout faire. Attends, je suis même pas sûr de gagner le combat, c'est déconné. Neuf en expo. Putain, j'aurais jamais dû attaquer là. Là, je dois attaquer. Le lead de trône sert enfin à quelque chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le lead de trône vous permettra de vous débarrasser donc de tous les malus, de toutes les expositions. Vous avez vu le nombre d'expositions? Là, si jamais vous avez 10 expositions, que vous subissez un coup, vous allez voir pouvoir un personnage niveau 12. Vous avez vu mon Wampa comme il a pris cher? C'est impressionnant. Donc, vigilance. On va placer un max de Mace en défense. Donc dès qu'on l'attaque, il y a plein d'explos de partout qui tombent sur les alliés. Mais c'est pas le seul. En fait, pour voir tout ça, je vais vous emmener où il faut voir. Donc, c'est pas le seul à avoir des bonus. Lui, c'est lui qui a les plus gros bonus, mais il y a aussi Grévous, il y a aussi la police de la pègre, et il y a aussi Doku. Donc, Mace bénéficie de plus 100% de santé, plus 480 de protection maximale. Plus 100% de chance de contre-attaque est immunisé au choc, à la confusion et aux étourdissements. De plus, lorsqu'il attaque les sites, son attaque de base donc inflige plus 1000 dégâts. Plus 1000% de dégâts. Donc ça one shot, j'ai testé tout à l'heure, ça one shot. Impressionnant.
Donc lui, ses bonus sont simplement énormes, mais vous avez aussi des bonus sur la police de la pègre qu'il faut utiliser contre les Voriens. Grévous, donc qui gagne un petit buff, mais qui est pas non plus exceptionnel, j'ai testé. Et Doku que je vais tester. Mais donc les éclairs. Ouais, c'est pas non plus énorme le boost de Doku. À mon avis, donc le boost de Doku et le boost de la police de la pègre seront juste pour cette GDC et partiront après. Cependant, ce qui me fait peur, c'est que Grievous et Mace Windu vont rester. Et personnellement, je trouve que ce buff de Mace Windu, ben, c'est infâme, quoi. Le personnage, il est intuable. Il faut utiliser Tron, Nihilus ou des Ewoks parce qu'il se camoufle, de masse. Peut-être aussi le Deathtrooper qui peut le tuer, mais sinon c'est intuable comme personnage. Donc je déteste cette mage. Je déteste.